Eh bien bonjour, c'est Parole au Livre, une émission mensuelle chaque dernier lundi du mois qui vous fera découvrir une ou un auteur à travers ses livres et les extraits qu'elle ou il voudra vous lire. Aujourd'hui, je reçois Lola Semonin, auteure à succès et écrivaine. Elle a publié plusieurs ouvrages, certains primés, dont Le Cri du Milan qui a reçu le prix Louis Pergaud, le tome 1 de La Madeleine Proust, Une vie quand j'étais petite, le prix André Besson. Et très récemment, c'est la tétralogie qui est La Madeleine Proust, Une vie, le prix Jules Renard. Ses romans se vendent ou se commandent en librairie. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur toi, te présenter Lola d'abord? Bonjour. Bonjour, bon, 2-3 mots, c'est pas facile parce que j'ai quand même 90 ans dans 20 ans. Donc ça veut dire que j'ai quand même déjà pas mal de vols derrière moi. Mais moi, je suis née à Morteau, d'un milieu plutôt bourgeois. Je pense qu'enfant, je rêvais d'écrire, d'être écrivain, de faire de la scène, enfin, d'avoir plutôt une vie d'artiste, bien que j'étais de parents commerçants. Et puis, au fil des années, ma maman me martelait que j'allais être institutrice. C'était son rêve, elle n'avait pas réussi à l'être à cause de la guerre. Et c'était un petit peu ma destinée, quoi. Donc, moi, fille bien obéissante. En plus, les études à l'école normale étaient gratuites. Donc, mes parents qui vivaient comme des bourgeois n'avaient quand même pas les moyens de payer aux 4 enfants des études. Donc, me voilà à l'école normale, me voilà instite. Sauf que je rencontre la pédagogie Freinet. Donc, la pédagogie de Freinet, c'est une pédagogie qui permet à chaque enfant d'être révélé, d'être accompagné dans ses motivations, d'apprendre le goût de l'effort mais le plaisir du travail. C'est une classe coopérative dans laquelle tout est voté, tout est décidé. Et pour appliquer cette pédagogie Freinet, je demande une classe unique. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, mais je demande une classe unique dans un petit village, si possible dans le Houdou, parce que j'adore la neige, j'adore les 4 saisons. Et me voilà mutée au petit village des Ars, au-dessus de Morteau, et tous les enfants sont des enfants de paysans. Donc tout d'un coup, je rencontre le milieu paysan que je ne connaissais pas du tout. Et alors, ce sont des gens très simples, très nature, mais alors des conteurs, et qui démarrent au quart de tour. C'est par exemple, je dis, il fait rudement froid. Oh, mais c'est rien, là, vous auriez vu en 42, là, mais... Puis ça y est, ils démarrent, puis alors ils commencent de leur raconter des morceaux de leur vie. Ou alors, vous viendrez voir notre belle cuisine incarcérée, hein. Alors ça commence de me faire rire, je commence de prendre des notes, mais je ne pense pas du tout à faire un personnage qui va être une paysanne. Sauf que je rencontre Gérard Boule du Chaumont, il est musicien, il est saxophoniste, il compose... Et là, il joue avec un groupe de rock vraiment underground qui s'appelle Les Tronfous, le Loup Blanc. Et ils ont créé un mouvement qui s'appelle Rock in Opposition et qui regroupe le groupe de rock le plus extravagant de chaque pays d'Europe. Et comme on est au centre, on peut dire, hein, près de la Suisse, alors ceux qui viennent de l'Espagne pour tourner en Allemagne ou de l'Italie pour tourner en Suède ou en Angleterre, eh ben, ils passent dormir chez nous. Donc moi, j'explique aux parents la vie qu'on a, la musique, ces gens qui passent un peu étranges avec des bus qui sont complètement tagués. J'explique pourquoi on n'est pas marié, pourquoi je suis contre le mariage, pourquoi on est pourquoi notre enfant n'est pas baptisé. Et ces confidences créent des confidences. Et ces paysans nous appellent par nos prénoms, nous aiment et nous invitent chez eux à la veillée. Et là, ils nous racontent et nous racontent. Et moi, j'adore les conteurs et j'apprends ce qu'est la vie de ces paysans. Et puis, Gérard va au Conservatoire d'art dramatique. Il m'entraîne au Conservatoire d'art dramatique. Et là, tout de suite, j'ai quand même presque 30 ans. Là, tout de suite, je sais que je veux jouer toute seule.
Je veux jouer un personnage fort, comme j'ai vu Zouk. Zouk, c'était une Suisse qui faisait un personnage, qui travaillait dans les hôpitaux psychiatriques, qui jouait des vieilles femmes, mais c'était très profond. Et moi, il faut que ce soit à ce niveau-là. Alors, je commence à jouer une bourgeoise. Bon, ça ne me plaît pas trop. Après, une prolo, le monde ouvrier, qui m'intéresse beaucoup. Mais bon, ça accroche pas. Une folle. Bon, c'est pas ça. Une clocharde, c'est pas mal. Mais tout d'un coup, un jour, je vais chercher une salade chez une paysanne comme j'allais régulièrement acheter des œufs ou du lait ou une salade. Et ce jour-là, elle a les larmes aux yeux. Elle me raconte quelque chose qui la bouleverse. Et là, j'ai l'impression que je rencontre son âme. C'est plus ces paysans qui me faisaient rigoler, qui me disaient « Oh, bah, elle est tellement râteau, quand elle regarde la messe à la télé, elle coupe quand c'est la quête. » C'est tout d'un coup une âme. Et je suis bouleversée. Et quand je rentre, je dis à Gérard « Ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire une paysanne avec l'accent. » Et là, tout de suite, il me dit « Alors, il faut l'appeler Madeleine Proust. » Parce qu'il savait qu'en appelant Madeleine Proust, elle allait à la rencontre. J'étais obligée, pardon, dans mon écriture, d'aller à la rencontre de tous ces souvenirs qui ouvrent la mémoire du spectateur, qui le remue, qui lui parle d'où il vient, de ses racines. Et c'est qu'ainsi est née la Madeleine Proust. Et alors, combien d'ouvrages t'as écrit ? Alors d'abord, là, c'était le spectacle. Ah, le spectacle, donc, oui. Donc j'ai fait à peu près 5 spectacles pendant 30 ans. J'ai joué dans toute la France. Comme tu l'as dit, j'étais nominée au Molière. Et puis, parallèlement à ça, j'écrivais. Moi, je suis allé te voir à Paris. Ah oui, tu m'as vu à Paris. Ah oui, il y avait beaucoup de gens de Franche-Comté qui venaient me voir à Paris. Tu étais assise à côté de moi pour commencer le spectacle et puis tu as parlé depuis là. Ah oui, j'avais un des spectacles où je commençais dans la scène. Ah, c'est drôle. Mais quand je ne tournais pas, je commençais un roman. Donc, je commençais un roman. Et bon, il y a le Cri du Milan qui a été publié. J'en commençais un autre. Je partais en tournée. Je partais jouer 6 mois à Paris. Je revenais, j'écrivais un autre roman. Et tous ces romans attendaient que j'aie un peu le temps pour les terminer un par un. Sauf que voilà qu'en 2011, Flammarion, les éditions Flammarion, j'avais déjà fait un livre pour eux, me disent « Mais pourquoi vous ne faites pas de ce personnage de théâtre un personnage de roman ?» Oh, et là, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et je commence d'écrire son enfance, donc cette tétralogie « La Madeleine Proust, une vie ». J'écris son enfance, le premier volume, quand j'étais petite. Et je vais tellement, tellement, tellement dans les détails que je me rends compte qu'un seul livre ne suffira pas. Donc, va suivre ensuite Ma drôle de guerre, et puis Sous la botte, et puis le dernier qui vient de paraître, Libération. Ainsi est née cette saga sur la vie de la Madeleine. En 2018, j'ai fait mes adieux à la scène. Et maintenant, je ne mets plus que mon métier d'écrivain. Ce que j'avais apprécié aussi, c'est que tu passais beaucoup dans les petits bleds par ici, tout partout. Tu ne voulais pas spécialement que des grandes salles, des choses comme ça. Tu voulais être près des gens, quoi. Alors, au début, le spectacle de la cuisine s'y prêtait. J'ai beaucoup joué dans les villages. Le deuxième spectacle, c'était une ferme de 10 mètres de haut. Il y avait les 4 saisons, il y avait des poules, on avait un smirmorque. Et là, je ne pouvais plus jouer dans les villages. Donc, c'est là que j'ai joué que dans les grands théâtres. Mais j'ai toujours refusé de faire les zéniths. Moi, je veux de la promiscuité, théâtre, 1000 places, à la limite 1500. Voilà, je détesterais jouer dans un zénith où on me verrait sur un écran. Ensuite, je suis revenue avec mes adieux à la scène, à un décor de cuisine, où la Madeleine fait des grands écarts avec le temps passé et toutes les nouvelles technologies. Et là, je suis retournée jouer dans les villages. Et là, je vais former une comédienne qui va reprendre ce spectacle et qui va retourner jouer dans les villages. Elle aura l'accent aussi ? Elle aura l'accent, elle fait tout le travail du corps comme j'ai fait moi. Voilà, avec mon texte et la mise en scène de mon spectacle. Et donc, maintenant, quand j'écris, je me sens vraiment à ma place. Je me sens heureuse. Je sens que je suis bien à l'endroit où j'ai envie d'être. Eh bien, je te propose de nous faire une première lecture, de nous dire de quel livre elle est, puis de situer un peu la scène et puis de nous faire une première lecture. Alors, c'est le premier roman de cette tétralogie, La Madeleine Proust, une vie. Quand j'étais petite,
Et c'est la Madeleine qui parle, je lui ai fait parler, je lui ai trouvé un style pour qu'on l'entende, et c'est ce qu'on me dit. Et c'est le début du roman, qui s'appelle « Chapitre 1, ma naissance ». Je suis née au printemps, les pieds devant. Ce qu'a fait dire à l'Adèle, la sage-femme, « Cette gamine, elle ira loin. » C'est vrai. Plus tard, dès que je me suis mariée, je ne suis pas restée derrière les gras. J'ai monté plus haut, à la ferme de Surlemont. Je l'enviais, cette ferme, parce que le soir au couchant, quand l'ombre s'abattait sur nous, elle était encore toute dorée de soleil. Je n'avais pas 8 ans, je disais déjà à la maman, « Quand je serai grande, j'habiterai là-haut. » Elle me rembarrait. « Au lieu de rêver, va plutôt chercher des patates à la cave. Les rêves, c'est pas fait pour nous. C'est pour les riches. » Alors, je voudrais dire que j'ai imaginé que la Madeleine était née en 1925, dans ce petit village imaginaire derrière les gras qui se trouverait là-bas dans le Houdoux, quand on monte du côté du Grand Mont, quand on est au village des gras. Alors, je vais continuer pour vous raconter cette naissance. On m'a tiré par les pieds comme un veau et secoué la tête en bas comme un lapin qu'on va saigner. La maman nageait dans sa sueur, elle était trempée de chaud. Quand elle a enfin desserré les dents, la sage-femme a dit « C'est le mal joli, quand il est fini, on en rit. » L'Adèle a entouré mon nombril dans de la graisse de marmotte. Elle m'a emmailloté les bras coincés sous le molleton. Elle m'a posé dans le berceau en osier, sur une paillasse d'avoine, près du fourneau. Elle a jeté le placenta au feu. Il y en a qui le donnaient aux poules ou qui le mettaient au fumier. Mais pour l'Adèle, ça portait malheur. Elle a préparé une soupe de bourrache qu'elle a fait boire à la maman et un œuf battu mélangé à de l'agneau, lait du miel. Elle a récupéré les vieux fourneaux qui protégeaient le matelas. S'ils n'étaient pas tachés, ça pouvait toujours resservir. Elle a fait tremper le linge souillé dans un baquet, caché dans un coin sombre de l'écurie, derrière le cochon. Le papa a tiré du vin à la cave, il a sorti du garde-manger de la saucisse et découpé une bonne tranche de pain avec son couteau qu'il garde toujours dans sa poche. L'Adèle a mangé, elle s'est fait payer, puis elle est repartie en vélo jusqu'à Charopé pour revenir le lendemain voir si tout allait bien. Il faut savoir qu'autrefois, les sages-femmes, elles étaient corvéables à Maxi. On allait les chercher en pleine nuit, à n'importe quelle heure du jour. Si elle était déjà partie faire un accouchement et qu'il y en avait un autre, elle mettait un mot sur sa porte, « Je suis à tel endroit ». Il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable, évidemment. Et c'était des femmes admirables qui, des fois, la nuit, sur leur traîneau, faisaient des kilomètres, même dans la neige, sous la pluie, pour aller aider à un accouchement difficile. J'ai même fait un film, L'Angèle des Neiges, où on voit ces paysans qui se relèvent la nuit pour atteler leurs chevaux et aller ouvrir le chemin à la sage-femme dans la neige. Radio Sud. Alors, dans cette émission, on a des petites virgules musicales que tu as choisies. Et la première, c'est Micrée 3D, Respire. L'histoire de l'être humain, au début il y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps, 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à brûler les déserts. Il faut que tu respires. De le dire, tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en
a deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fosse à purin. Tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu respires, évidemment, c'était comme on le disait hors antenne pour l'écologie, mais tu respires après la naissance que tu nous as annoncée, c'est bien aussi. Oui, puis aussi l'air, ouais. L'air qu'on respire, c'est la vie. Et c'est ça qui m'a aidé à arrêter de fumer aussi. C'est de visualiser ce que j'envoyais dans ma gorge, dans mes poumons, et d'imaginer toute cette fumée là qui venait la polluer alors que c'est mon corps. Que j'ai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, respirer, c'est la santé, quoi. Surtout si on respire du bon air, du haut doux. Mais écoute, on est là aussi pour découvrir donc, tes ouvrages. Tu vas nous faire une deuxième lecture maintenant. Tu nous dis un petit peu le contexte. Voilà, donc c'est le deuxième tome de cette saga, La Madeleine Proust, une vie. C'est Ma drôle de guerre. Et là, j'ai voulu traiter que l'année 39-40. Parce qu'à cette époque, il y a des soldats. On les envoie dans les granges. Des fermes qui sont le long de la frontière. On a peur que les Allemands rentrent par la Suisse. Et ces soldats vont partager la vie des paysans, donc de ce petit village imaginaire derrière les Gras, avec cette Madeleine qui vit là, avec ses 8 frères et sœurs, ses parents, les cousins dans la ferme à côté, Risset dans la ferme à côté, donc tous les personnages dont je parlais déjà dans mes spectacles. Et donc, la Madeleine a 14 ans. À 14 ans, je n'étais plus le perdreau de l'année, mais enfin une vraie jeune fille. 5 jours par mois, je faisais partie du lot des malfichus. J'entrais dans le clan. J'allais pouvoir connaître le sein des saints et sortir de l'obscurité. Ne plus être sans arrêt rembarré par les grandes d'un « t'es trop petite, ça te regarde pas ». Maintenant que je suis une jeune fille, mon avenir se rapproche de plus en plus. Entre la tristesse d'avoir été obligée d'arrêter l'école, moi qui aimais tant apprendre, et la colère de ne plus pouvoir dévorer de livres tellement je trime chez nous, je rêve. Je rêve à Constant. Il a 18 ans et il est dans mon cœur depuis belle lurette. Dans une poignée d'années, on pourra se fréquenter en plein jour. Mes épaules seront légères et nos têtes toucheront le ciel. Le monde tournera autour de nous pour toujours. En attendant, des clous. Les corvées m'arrachaient à mes songes,
me tirer par les bras, par les jambes. Chez nous, du boulot, il y en a beau faire. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pendant que la maman soignait ses paraphlébites, je m'occupais de 5 gosses, mes petits frères et sœurs, tous venus les uns derrière les autres, et aussi des vaches, des veaux, du cochon, des volailles, du jardin, des foins, des moissons, des lessives, du repassage, de la soupe, en plus de la messe tous les dimanches, où j'avais un peu de répit. Pendant le sermon, je pouvais enfin m'asseoir. Si je disais que j'étais fatiguée, la maman répliquait aussi sec, « Fatiguée, mais de quoi ?» Et si je m'écroulais sur une chaise après une dure journée, « Fatiguée n'est pas quitte !» Eh bien, fatiguée, c'est sûr qu'en ayant fait tout ça, mais, elle avait quoi, la pauvre? C'était la plus âgée de la famille? Il y a 2 garçons avant, donc on peut dire que c'est les filles qui triment le plus. Ah oui, ils ne faisaient pas la vaisselle, hein, c'était pas des modernes. Même si les garçons, ben justement là, attends, je pourrais lire un petit morceau qui irait très très bien. Oui, vas-y. Même si les garçons travaillent à la ferme, évidemment, on leur fait quitter l'école avant le certificat d'études s'il y a besoin, sauf si l'instituteur insiste, parce qu'il y en a un qui est vraiment doué et qui pourrait continuer. Bon, en général, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Hein. Et la Madeleine, elle, qui rêve d'aller à l'école, on va l'obliger à quitter l'école à 11 ans pour s'occuper de ses frères et sœurs, alors qu'elle adorait l'école. Alors, les filles, en plus d'aider à la ferme tout ce que je viens de dire, en plus, c'est faire la vaisselle, faire à manger. Donc, il faut faire la soupe tous les jours. Il y a 9 gosses, plus les parents, plus l'assiette du pauvre. Alors imaginez, tous les jours, éplucher des carottes, dresser une table, faire la vaisselle pour 9 assiettes, tous les jours, 3 fois par jour. Puis la maman, elle fait quoi? Ben la maman, elle dirige un peu tout, elle est aussi au jardin, elle est un peu partout, elle. Hein. Mais elle bosse aussi, elle bosse vraiment. Ah oui, j'ai un extrait à lire sur la maman, c'est pas rien. Une fois la vaisselle lavée, on apportait la lavasse au cochon, oui, parce qu'attention, il n'y a pas l'eau chaude. Alors déjà, à l'évier, tout le monde n'a pas l'eau à l'évier. Il y en a, il faut aller la chercher au puits. Là, ils ont une pompe, mais l'eau est froide. Donc, il faut entretenir le feu dans une cuisinière qui est au tuer. Hein, le tuer, c'est ces grandes cheminées immenses qui montent jusqu'au sommet des fermes comtoises. Et c'est là qu'on fume les jambons, les saucisses, enfin, toutes les cochonailles. Et donc, on chauffe l'eau dans un grand faitout. Il faut le porter, verser l'eau chaude dans la bassine en fer. Enfin, c'est un boulot de fou. Hein. Une fois la vaisselle lavée, on apportait la lavasse au cochon. Oui, puisqu'évidemment, on ne mettait pas de produit, ça n'existait pas. Puis, on rinçait à l'eau froide en actionnant la pompe de l'évier en pierre. Ma sœur, la Louise, gémissait. « Faudra inventer une machine qui ferait la vaisselle ?» La maman l'a regardée comme elle aurait regardé un martien. « Quoi ? Une machine qui fait la vaisselle ? Puis pourquoi pas une machine qui lave le linge ? On a 2 bras, c'est pour servir à quelque chose, non ? Allez, finis ta tâche au lieu de dire des âneries. » Comment imaginer qu'on allait avoir des machines qui allaient faire le boulot alors qu'on avait 2 bras pour le faire ? Elle était déjà en avance sur son temps. Hein ? La gamine, oui. Avec l'idée de la machine à laver le linge et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une autre petite virgule ou tu continues ? Donc, après ces 2 tomes-là, alors il faut savoir que je racontais déjà dans mes spectacles qu'André Proust arrivait avec tous ses soldats à vivre dans les granges. Et puis tout de suite, lui, il a quand même le béguin pour la Madeleine. Elle a 13 ans, bon, elle en fait peut-être 16. Mais alors, elle ne s'intéresse pas du tout à lui. De toute façon, elle est amoureuse d'un autre, ce fameux Constant. Et la maman, on dit la maman, le papa, aime beaucoup cet André Proust. Et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas détailler infiniment le milieu paysan. Les paysans que j'interrogeais me racontaient que souvent les filles, il y en avait une, on l'envoyait bonne à Paris, parce que ça faisait une paye qui arrivait chaque mois. Donc je me suis dit, ben voilà, la Madeleine va partir bonne. Et elle n'a pas du tout envie de partir de chez elle, et encore moins d'aller à Paris dans une ville. Elle ne connaît pas la ville, et Paris, c'est tellement loin. C'est la fin de la drôle de guerre. Les Allemands ont envahi la France, disons la moitié de la France, parce qu'il y a encore la ligne Maginot. Ils occupent tous ces petits villages, ils ont réquisitionné des chambres,
Ils ont réquisitionné des appartements, des maisons. Donc, il y a un officier allemand qui habite dans la maison de leur grand-mère et il y a son ordonnance qui habite dans une des chambres de la maison. Et là, il arrive une lettre de la tante Marguerite qui dit, voilà, il y a l'oncle de mon mari. Ce sont des gens très riches à Paris. Leur bonne bretonne est rentrée chez elle parce qu'ils avaient peur que les Allemands viennent attaquer Paris. Ils cherchent une bonne et je pense que la Madeleine serait parfaite. Vu que c'est, il faut savoir que ces filles, à l'âge de 14 ans, elles savent coudre, elles savent repasser, elles savent faucher à la main, elles savent faire les foins, elles savent faire à manger, elles savent déjà tout. Donc, envoyer la Madeleine, bonne à Paris, d'accord, mais comment on va faire? Ça va nous faire deux bras en moins. Mais il y a André Proust qui est là et il dit, mais moi, je pourrais peut-être remplacer les bras de la Madeleine. Et la Madeleine dira, André Proust a créé mon malheur. Alors, je lis le début du tome 3, sous la botte. Si au moins j'avais pu dire non, non, je ne vais pas y aller. Je me serais cramponnée à la porte, j'aurais piaffé, beuglé, menacé de me jeter dans la citerne. Je me serais ensauvée dans la neige, sans manteau, sans rien. Le papa m'aurait couraté. Faut que tu sois raisonnable, Madeleine. C'est une chance pour toi. Ça va te faire connaître le monde. Mais le monde, moi, je m'en fiche. Moi, c'est ici que je veux rester, près des montagnes et des sapins avec les bêtes. Mais tu sais bien que tu as besoin de te changer les idées, que depuis des mois, tu n'es plus dans ton assiette. Allez, rentre. Rentre, tu vas prendre froid. Ils seraient tous sortis sur le pas de la porte, à grelotter par -20, en plissant les yeux pour mieux voir dans la nuit. La maman, les mâchoires crispées, les mains qui pétrissent le bas de son tablier. La Paulette et les jumelles, le cou tendu. Le Martin et la Jeanne accrochés à leur jupe. Le petit René, le menton levé, crâneur, l'air de dire du haut de ses 7 ans. « Moi, je ferai tout qu'est-ce que je veux dans ma vie. » Et même Risset pointerait son nez devant chez lui et me regarderait me débattre dans la neige sans dire un mot. Maintenant, c'est trop tard. J'ai pas eu la force. J'ai pas osé me rebiffer. Je me suis laissé mener. J'ai obéi. Et ce 1er janvier 1941, me voilà dans le train qui m'emmène à Paris. Je me sens vieille. Je vais vers mes 16 ans et ma jeunesse est derrière moi. Derrière la vitre dégoulinante de pluie, je serre les dents. J'ai déjà le mal du pays. Il y a les autres radios et il y a Radio Sud. La radio qui vous fait aimer la radio. Ah, oh, j'adore cette chanson.
Voilà, je vais lire jusque là. Lavilliers, les mains d'or. T'as choisi ce titre-là à cause de quoi ? Bah déjà parce que cette chanson me bouleverse, parce que le monde ouvrier me bouleverse. Il est tellement maltraité, tellement injustement payé. C'est le monde ouvrier qui fait la productivité d'un pays et on lui en donne trop rarement ou presque jamais les avantages. Faut savoir ce que c'est qu'être un ouvrier. Il y a un livre de Pontus qui s'appelle « À la ligne » d'un un auteur qui allait travailler à la chaîne et qui raconte ce que c'est. Faut savoir comment on détruit les gens et comment on les respecte si peu. Et je trouve que cette chanson, elle leur rend hommage. Faut comprendre aussi ce que c'est dans le monde ouvrier, cette solidarité qu'il y a entre eux, ce savoir-faire extraordinaire qu'ils ont et dont tout d'un coup on les prive parce qu'on ferme des hauts fourneaux, parce qu'on ferme des mines, parce qu'on ferme des usines, parce qu'on ferme des ateliers. Voilà, je les salue, je salue le monde ouvrier que je respecte infiniment. Alors, avant de faire une autre lecture, je voulais t'interroger sur ta façon d'écrire. T'écris comment le jour, la nuit, dans ta salle à manger, dans le train, comment ? Alors déjà, j'ai besoin d'être immergée dans ma documentation. Surtout pour cette tétralogie-là, parce que c'est quand même un monde que je n'ai pas connu depuis 1925, puis la guerre de 40. Donc déjà, je lis beaucoup, beaucoup, je prends beaucoup de notes. Ça peut être dans mon lit, ça peut être n'importe où, là. Ça peut être dans le train, n'importe où. Quand je commence de rédiger devant mon ordinateur, j'ai un bureau avec une grande baie qui donne sur un paysage du Haut-Doubs. Donc c'est là que je travaille. Tu n'écris pas à la main, tu écris à l'ordi. Ah oui, j'écris à l'ordi, oui. Alors j'écris à la main quand je prends mes notes. Après, je recopie mes notes dans un espèce de dictionnaire par personnage. Et ensuite, quand je commence l'histoire, déjà, il faut que j'aie trouvé la première phrase parce que je trouve que c'est hyper important. C'est comme quand on bâtit une maison, mais des fondations. Alors, la première phrase, j'écris des fois un plan ou pas forcément. Des fois, j'avance un peu comme ça, avec des grandes idées seulement. Et mes horaires préférés, ça a été 5h de l'après-midi, 6h du matin. C'est ce que j'ai préféré. Je dors très bien le matin jusqu'à 14h, je me fais un bon repas, je prends mon temps et je me mets à mon ordinateur. Et alors après, la nuit arrive et je suis seule au monde. J'adore ce moment-là et j'écris toujours en musique. Sauf que c'est la musique selon mon humeur et l'énergie dont j'ai besoin. Bizarrement, le tome 1 qui se passe dans le milieu paysan, dans les années 30, j'ai écouté beaucoup de rap. Parfois, c'est beaucoup de jazz, du blues. Ça, c'est très, très souvent. Et tout d'un coup, ça peut être des chansons françaises. Ça ne veut pas dire que j'écoute, mais tout d'un coup, il y a un mot qui arrive. Et ça peut être aussi de la musique classique. Vraiment, ça dépend vraiment de quoi j'ai besoin à cet instant-là. Et de toute façon, chez moi, il y a toujours beaucoup de musique. Je trouve que ça amène de l'énergie dans ma maison. Eh bien, je te propose une autre lecture encore pour qu'on découvre plus en avant encore ton monde. Alors, le monde de la Madeleine, hein, du moins, parce que je ne suis pas née en 25. Non. D'accord, mais c'est quand même toi qui l'as créé. Voilà, donc dans cette écriture, justement, comme je disais, j'ai cherché à trouver un style pour qu'on l'entende, pour qu'on entende cette Madeleine nous raconter. Alors là, donc elle est partie à Paris, elle a pris le train toute seule. Elle s'est même trouvée dans un compartiment avec des Allemands. Et là, elle arrive à Paris et elle retrouve Monsieur Villemet, c'est son patron. Hein, il est fondé de pouvoir à la Banque de France. Il vient la chercher à la gare. Elle le suit. J'étais comme une petite gamine qu'on emmène à l'école le premier jour de la rentrée, sans aucune idée de ce qui l'attend, les jambes en coton. Ce qui me consolait, c'était la tour Eiffel que j'allais enfin voir devant moi, immense, à la sortie de la gare. Cette chère tour Eiffel que j'avais regardée tant et tant de fois sur la carte postale qu'on gardait précieusement dans le tiroir du buffet depuis des années. J'en étais tout près. J'allais pouvoir la toucher des yeux. Ça me démangeait de sortir du hall immense et noir de monde. Il fallait se faufiler entre des tas de gens, des chariots, des montagnes de bagages. Ça fourmillait, à croire que toute la ville était venue là chercher quelqu'un. Une vague arrivait dans un sens,
une autre vague se déversait dans l'autre sens, me bousculait. Jamais de toute ma vie je n'avais vu autant de monde d'un coup. À part en juin 40, quand les milliers de soldats français, sales et désarmés, sont passés devant nos fermes pour aller se rendre en Suisse. « Allez, Madeleine, sortez votre billet, que nous quittions cette gare. » On a montré nos billets au contrôleur du PLM et enfin dehors. Devant la gare, un grand trou noir. Pas de tour Eiffel. La lune éclaire des bâtiments d'au moins 5 étages, sales, tous collés les uns aux autres et alignés le long d'un trottoir mouillé de pluie. Mais rien qui traverse le ciel comme une flèche. Et Rainer, l'Allemand logé chez nous, qui disait « Paris, c'est la plus belle ville du monde ».« Ah, le gredin !» s'est écrié M. Villemay, qui tendait le cou de tous les côtés furieux. « J'avais réservé un vélo-taxi en le payant d'avance, mais il s'est fait la malle avec un autre client. Ah, l'entourloupe !» Il y avait tout un trafic de vélos qui tiraient de drôles de charrettes, des voitures allemandes, des sidecars, des camions qui pétaradaient et empuantaient le charbon de bois. J'avais froid. Et mon estomac vide me tournait la tête. J'ai voulu avancer un peu pour être bien sûr que la tour Eiffel n'était pas cachée par l'horloge de la gare de Lyon. Un coup de klaxon m'a jeté en arrière sur le trottoir. Une voiture de Bosch, aussi longue qu'un char à foin, a bien failli m'écrabouiller. « À Paris, Madeleine, » m'a dit M. Villemay en m'attrapant le coude, « il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant. » Radio Sud. Radio Sud. Eh bien, on va entendre une chanson de Francis Lemarque, justement, qui est « À Paris ». À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraud qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains. Et qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt, au son de l'accordéon, dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les papiers sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. À Paris, la belle ville, hein? Alors, il faut dire, moi je suis allée à Paris dans 58, et je trouvais ça horrible parce que toutes les maisons étaient noires, rien n'a été ravalé avant les années 80. Hein. Notre-Dame était noire, tous les immeubles.
Donc j'ai imaginé que pour la Madeleine, c'était pareil, quoi. Elle découvre cette ville, c'est terrifiant. Mais alors, en tant qu'écrivain, je suis allée, comme j'habite aussi à Paris, j'ai pris mon vélo, je suis allée dans le 16e pour trouver dans quelle rue elle allait habiter. Et justement, j'ai trouvé cette rue Georgeville avec des très beaux immeubles, ben aujourd'hui ravalés bien sûr, signés dans la pierre par les architectes. Et une rue toute étroite, la rue Georgeville, où chaque fois qu'elle y rentre, elle a l'impression de rentrer dans un couloir avec un tout petit bout de ciel au-dessus de sa tête, alors que le ciel est immense dans le Houdou. Et cette rue donne dans la rue Victor Hugo. C'est sa seule consolation, c'est que l'avenue Victor Hugo n'est pas loin, qu'au moins elle connaît le nom de ce poète et de cet écrivain. Et là, elle rentre dans l'appartement pour la première fois de ses patrons, les Villemay, fondés de pouvoir donc à la Banque de France. Dès que je suis entrée dans l'appartement, j'ai cru me noyer. Tout était si riche, si inconnu, si grandiose. Les orteils crispés, je m'accrochais au parquet pour ne pas basculer. J'en étais tout ébaudie et toute tremblante. Monsieur Villemay a ôté ses gants et j'ai aperçu à son petit doigt une bague avec une pierre aussi grosse qu'un radis, d'un rouge éclatant. « Je vous laisse, Madeleine. Madame va arriver. » Il a ouvert une porte capitonnée de cuir, plus épaisse que la porte d'un coffre-fort, et il a disparu. Aussitôt, Madame Villemay a surgi. Elle semblait rentrer d'un bal au palais d'un prince. Elle est venue à ma rencontre, poudrée, parfumée, les lèvres rouges, des perles aux oreilles. Elle moussait de volants, de tissus aussi légers que du vent qui courait derrière elle, traînait des dentelles et des rubans aussi pâles que l'azur. « Ah, Madeleine !» elle s'est exclamée en me tendant une main aussi molle qu'une bête morte. « Vous voilà enfin !» Elle s'est élancée dans le salon. Elle allait prendre son essor et s'élever dans les airs d'un coup d'aile avec ses délicates pantoufles roses aux pompons de plumes. Mais elle s'est laissée tomber lourdement dans un fauteuil comme écrasée par le poids de toute cette mousseline. « Je ne tenais plus debout. Ne faites pas attention. Je suis en robe de chambre, dans un état de délabrement avancé. » Ce que j'ai traduit par « je suis râpée, canée, je ne peux plus arquer. » Comme la maman, après une dure journée au champ, le lendemain d'un accouchement, pliée en deux pendant des heures à piocher, à porter des sacs plus gros qu'elle, sans s'asseoir de toute la journée. Et alors, cette Madeleine va rencontrer dans une queue, dans le tome 4, le dernier tome de la saga. Elle va rencontrer Margot. Elle va rencontrer Margot, voilà. Parce que dans ce tome 4, voilà, il faut que ça change. Elle a eu beaucoup le cafard avant. Et là, elle rencontre cette Margot. Cette Margot, c'est une jeune bonne aussi, mais qui vient de Ménilmontant, la vraie parigote, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est communiste. Parce que je voulais surtout raconter que les communistes ont été les premiers résistants, puisqu'effectivement, ils étaient déjà organisés, donc ils savaient faire des tracts, ils avaient déjà des ronéos pour imprimer justement les tracts. Et même si Pétain en avait très peur, et si Hitler les a tous enfermés dans des camps de concentration, beaucoup de communistes aussi ont été en camp de concentration, hein, comme les Juifs. Et voilà, je voulais aussi décrire ce monde ouvrier à travers cette petite Margot. Et voilà qu'elles sont les deux dans la queue. Et il y a un espèce de clochard qui arrive. Et en fait, vous savez, c'est ces espèces de princes de la rue qui sortent des vérités. Et il y a un Allemand qui arrive et qui le pousse et il tombe par terre. Et un homme dit, voilà la Wehrmacht contre la loque française. Et cette Margot qui est à côté de Madeleine dit, enfin une loque, mais ce clochard est un prince. Il vaut mieux que nous tous. Cet homme, c'est la sagesse même. Vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas. Et la Madeleine, donc, dit, j'étais à la fois gênée de me faire remarquer si près d'elle et à la fois attirée, car je la trouvais aussi dévergondée que la Simone. Ma copine Simone, qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui me manquait tant. Vous leur avez bien sonné les cloches. C'est pas du dommage. La fille m'a tutoyée d'emblée, mordante. Tu veux dire quoi par là? « Ben, c'est pas du dommage, quoi, c'est bien mérité, quoi. »« Quoi ? Ça s'appelle comment ton parler ? Quel parler ? Ben, comme tu parles, là, cet accent pas possible,
C'est de quel pays? Du Haut-Doubs. Ça me dit rien, ça perche où, ça? Besançon, ça te dit rien? Rien de rien. Mais bon, j'ai jamais quitté Paris, moi. T'es né à Paris, alors? À Ménilmontant, c'est trop pomme. Moi, je suis native de derrière les gras. J'ai cru lui plaire en ajoutant « c'est trop poire ». Elle a reculé d'un pas, les sourcils froncés, comme si j'avais dit un gros mot. « De quoi ? Derrière quoi ? Derrière les gras ! Mais tu parles toujours avec cet accent ? Même quand tu parles normalement ? Ben, c'est normalement, mon accent. » « Ah ben, dis donc, t'as un français plutôt chantourné, toi. » Je me suis beaucoup amusée d'inventer ce personnage et justement de la mettre toujours en contradiction avec ce que disait la Madeleine. Puis ce qui est bien, c'est aussi que tu nous fais découvrir des mots de là-haut. Cette fois, c'est des vrais mots, ce n'est pas des mots que tu as inventés. Ben, je travaille beaucoup pour colorier la langue avec un dictionnaire que je me suis fait, français, mot régional, pour justement amener cette couleur de notre langue à nous, de notre région. Et en plus, je veux dire, ici, on est tellement inventif. Même les gens ici, ils en inventent régulièrement des mots. Hein. Moi, j'adore ça, quoi. C'est comme dans les banlieues, il y a la langue aussi, elle varie, elle change, elle est toujours renouvelée. Alors là, je sais pas, j'ai le temps de lire encore un petit peu quand elle rencontre Margot, quand elle est avec Margot. Moi, je m'appelle Margot, elle lui dit. Et toi, ça t'embête pas que je te tutoie, parce que moi, les manières, je les laisse à mes patrons. Oh ben, penses-tu, arrête de voir, au contraire. Moi, je m'appelle Madeleine. Je suis venue bonne à Paris. Madeleine, quelle horreur! Comme ma mégère de tante. Moi, je t'appellerai Mado. Alors, c'est quoi ta région? Elle est où? Ben, le Haut-Doubs, en Franche-Comté. On est paysans dans un petit village. C'est vers la Suisse. Ah ben, au moins, vous pouvez vous barrer de l'autre côté de la frontière. Sinon, ça a l'air vraiment paumé, là-bas. T'aimerais pas aller habiter ailleurs que dans ton bled? Ben, pourquoi? Ben, pour changer de paysage. Mais le paysage, il change toujours chez nous. Chez nous, on voyage sans bouger de place. C'est jamais pareil. Même la montagne, elle bouge. Margot s'est mise à rire. À toi, alors? T'es la fille d'un pays qui vient où la montagne bouge? Je te le dis. Des fois, elle disparaît complètement dans le brouillard. D'autres, elle me coupait pleine de grimaces. C'est un pays de fantômes, ton pays. Je ne me laissais pas démonter. Du moins, pas tout de suite. Tellement j'étais contente de parler de mon cher Haut-Doubs. Une sorte de fièvre montait en moi. Eh bien, d'autres fois, la montagne, elle avance. On pourrait la toucher de la main. Comme ça, on sait toujours le temps qu'il veut faire. Puis les couleurs, c'est jamais les mêmes. En hiver, c'est noir et blanc. Noir et blanc, comme au cinéma. Oui, comme si on était au cinéma. Ouais, mais moi, j'aime mieux le cinéma en couleur. Eh bien, justement, en été, c'est tout vert. Tout est vert. Waouh, ça doit foutre les jetons. Elle m'aurait frappé, que ça m'aurait fait le même effet. Comment des peintures vertes à perte de vue pouvaient foutre les jetons? Elle était vraiment bizarre. J'ai tout de même continué pour finir la ronde des saisons. Puis à l'automne, ça flambe de partout. Elle m'a coupé net. Moi, j'aime pas l'automne, elle a dit, en crachant par terre. Je déteste l'automne. C'est la saison des morts. De la mort. Pas dans mon pays, j'ai répondu. En automne, les arbres sont rouges et couleur d'or. C'est la saison des récoltes, la saison où on engrange tout ce qu'on a semé au printemps. On cueille des mûres, des framboises, des champignons. Ah, eh ben vous, les paysans, vous ne manquez de rien. Faut pas vous plaindre. Une seule radio vous propose diversité et qualité. Radio Sud. Alors, comme on a beaucoup parlé de campagne, là, je vais quand même passer maintenant au trio l'hymne de nos campagnes, parce que c'est bien adapté. Oui. Partout la mer, où de nous sommes, il y a la chute des
qu'il ta mère méritait les coups de hache et le seigne. Lève la tête, garde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde, mais que son orgueil se brise le cas. Tu es sur le seuil, c'est le pire de la campagne, de l'univers, de la montagne, de la vivale, du monde animal. Il revient mort de ses cordes vocales, il revient mort de ses cordes vocales. Mais tu ne peux rien dire, que quand tu écoutes, tu as envie de rire. Et ben voilà, c'est Trio, hein. Trio, c'est des défenseurs de la nature. Et je pense qu'on a fait un grand tour avec toutes les lectures à Lola Semonin. Elle nous a généreusement parlé de ses livres, de sa façon d'écrire. C'est vraiment une personne chaleureuse, donc vous avez dû le ressentir dans les lectures. Et puis, elle va vous dire partout où elle passe pour les dédicaces et tout ça, parce qu'elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais. Puis, moi, je voulais la remercier avant tout ça pour sa participation. Puis, je voulais engager tous les auditeurs à lire ses ouvrages, à se les procurer en librairie. Voilà, tu peux nous dire partout où tu vas passer. Voilà, j'aime dédicacer parce que je vois le public de mes spectacles, je vois mes lecteurs. En plus, ils me disent qu'ils rient, qu'ils pleurent en me lisant, qu'ils ne peuvent pas lâcher la Madeleine, qu'ils l'aiment. Donc, ce samedi, là, je vais être à Cultura, à Besançon. Je crois que c'est vers 15h, 18h. Le samedi 19 novembre à Morteau. Le dimanche 20 novembre à Villafant, au magasin Proxy. Et puis à Gré, au Salon du Livre, les 26 et 27 novembre. Hein. Et puis alors en décembre, je vais à Lure, le 3, dans la librairie de Lure. Tuse, chez la Mamie, ouais. Un lieu associatif à découvrir. Et puis je vais à Dole, à La Passerelle et à Valentinier avant Noël. Voilà, puis je vous y retrouverai avec un grand plaisir. Puis il y a une grande fête du livre. Moi, je suis à Salins, samedi et dimanche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fête de Salins, oui, la fête du livre à Salins. Voilà. Ouais. Mais moi, je n'écris pas comme toi, hein, je ne suis pas un grand auteur. Bah, ça ne fait rien, tout le monde, tout celui qui écrit. C'est des nouvelles, c'est plus mince. Oui, mais ça ne fait rien, la qualité. N'a rien à voir avec la quantité. Ben voilà, je vais te dire au revoir, Lola. Ben oui, moi aussi, je voulais te dire au revoir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Puis je vous embrasse toutes et tous. Voilà, très fort. Et puis essayez d'être heureux le plus possible. Eh ben, c'est un grand plaisir. La dernière fois qu'on s'était vus, je vous avais interrogé toutes les deux, la Madeleine et puis toi, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, ouais. C'était déjà sur Radio Sud. Comme voilà, quoi, c'est vrai. C'est une bonne radio. Ben oui, c'est important. Et puis donc, je voulais aussi signaler que la prochaine émission de Parole au Livre aura lieu sur Radio Sud 101.8 FM, toujours animée par votre Hubert, votre cousin Hubert, lundi 28 novembre 2022. Je ne sais encore pas quel auteur va y être, mais j'ai plusieurs sollicitations. Voilà. À bientôt, Madeleine. Eh bien, à Madeleine. Bientôt, Hubert. Et puisque... À bientôt, Radio Sud. Voilà, et à bientôt, Lola. Puis je dis Madeleine aussi, puisque ta petite jeune qui va reprendre, elle va faire Madeleine. Oui, voilà, il y aura, la Madeleine va continuer d'être sur scène et continuer dans la littérature. Voilà, et bien à bientôt. Salut. À bientôt, salut, bye bye. Ciao.